Salut tout le monde, c'est Vario, je se retrouve encore pour une nouvelle vidéo sur The Evil Within, pardon, excusez-moi. Faut le dire en anglais, hein, mais je suis en français, donc... Oh, de la plante, des statues, on va commencer à flipper. On est de retour dans ce... Dans ces catacombes église, je ne sais pas ce que c'est. Le sang est très bien fait, hein, vraiment. Les effets de sang comme ça, là, avec les lumières... Vous allez me dire, ouais, les graphismes ils sont pas top. Déjà que le YouTube ça rend moins bien, mais vraiment les graphismes ils sont géniaux. Un jeu d'horreur, vraiment. C'est sûr, on va pas te mettre un jeu d'horreur. Ah, c'est pas mal ça, de l'herbe religieuse. Non. Non. Fermé. Ouais. Il y a sûrement un moyen de l'ouvrir. Je crois qu'elle va mettre une cinématique. Alors, pour un jeu d'horreur, ils vont pas mettre des couleurs colorées, hein, donc c'est super. Je peux pas monter à l'échelle? Si. Ah, voilà. Et en haut, il va y avoir des screamers, c'est ça? Ah, je connais ça dans le manoir de Ruvik, dans le chapitre 9. D'ailleurs, on est au chapitre 9. Chapitre 9 du 1. What? Il y a 4 manivelles. Attendez, je fais un petit tour et puis s'en va. Il n'y a rien d'autre. Ça va être encore une énigme, ça? Allez. On dit toujours que la troisième est la bonne, mais j'aurais fait la deuxième. Pour des énigmes, la deuxième est toujours la bonne. Ce délire. Ah, j'ai compris le délire. Voilà. Ça, je pense que c'est bien fait. Par contre, ça. Ah, c'est bon, je sais. Voilà, c'est bien fait. C'est bon comme ça. Et là. C'est pas bon? C'est pas bon comme ça, enfin je ne sais pas s'il nous le montre après. J'ai fait les 4. Ça c'est pour la zone là. Alors je veux bien. Là je me suis trompé de sens. Ah bah oui, je me suis trompé de sens. Oh, quel boulet. Là, c'est bon. Peut-être. Ah non, là, il faut tourner, attends. C'est assez simple, hein, je trouve. Juste réfléchir un peu. Eh, là, c'est parfait, là. Eh. Juste le petit bord là que je suis pas satisfait, mais ça c'est pourquoi celui-là déjà? Non, ça on s'en fout. Ah, attends. Intéressant. Bon ben je ne sais pas, on va dire que c'est comme ça. Je sais pas s'il doit avoir un cling, un clung ou un clang. Si c'est pas ça, ben, je vous couperai et je vous mets dès que j'ai trouvé. Non, c'est pas bon. Attendez, je vais regarder ça de près. C'est moi où il nous donne la solution en fait. Regardez, attendez. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Le coin là il est bon. Ensuite. Attendez, 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 attendez. Ah non, ça c'est bon. Le souci c'est que là c'est pas bon et je ne sais pas comment faire. T'as une idée, petit pot? Eh ben, je vais chercher, je vous mets dès que j'ai trouvé, à tout de suite. Et j'allais pas partir sans ça, voyons. Quand même, 20 pièces détachées. Il y en a 10 ici. Le signe, la pointe du haut doit être plus petite que celle d'en bas. Là, la pointe du haut n'est pas plus petite. En même temps, j'ai tout bougé. Du coup, attendez. Voilà.
Donc là, on va rebouger comme j'ai fait depuis le début. C'est marrant parce qu'en fait... Et si en fait c'était à l'envers? Et si on devait le faire à l'envers? Bon bah, on va dire que ça c'est à l'envers. Ensuite, les deux croix doivent être séparées. Et pas remises. Ah d'accord. Ah galère, 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 galère. Ça serait comme ça alors. Sauf que l'autre, ça va pas. C'est pas celui-là qu'il faut tourner. Ça serait plus celui-là. C'est très bizarre, hein. Bon, je cherche encore. Mais quand même de l'herbe pour moi, hein. Il y avait quoi ici? Non, là, c'est de là où est-ce que je viens. Ah bah si. Bah si, c'est ça. Attendez, regardez. Je crois que j'ai trouvé. Si c'est ça, vous m'appelez patron. Non, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, pardon. Excusez-moi, je suis trompé. Voilà. Et si c'est ça, vous m'appelez patron, hein. Croyez-moi, c'est pas simple. Là, c'est bon. Voilà. Allez. Ah non. Là, je suis pas d'accord par contre. Je suis pas trop d'accord en fait. Ok, bon bah j'ai réussi l'énigme. Est-ce que je peux toujours bouger les trucs? Expérience. Non, c'est interdit. C'est interdit par la loi, voyons. Est-ce que je peux sauter directement? Non, mais je vais glisser, donc je m'en fous. Ils ont changé le truc en fait de sauter de l'échelle, parce que des fois tu sautais extrêmement haut que tu pouvais en mourir. Et dans le 1 tu meurs pas en fait. Du coup ils ont mis comme si qu'ils sautaient de l'échelle, et c'est mieux. Enfin qu'ils glissaient, pardon. Et c'est mieux. Je sens le screamer qui va passer là, non? Wow, y a... Oh, c'est comme dans le trailer là, les flammes. Je sais pas si c'est ça. C'est pas exactement ce que je pensais, mais bon. Ok. Oula, Sebastian Castellanos, vous voilà enfin. Je vous attendais. Et vous êtes qui? Mes fidèles m'appellent Père Théodore. J'espère que vous y viendrez aussi, mon ami. Encore un taré qui se prend pour Dieu. J'en ai déjà tué un comme vous aujourd'hui. Ça ne m'étonne pas. C'est comme ça que vous réglez tous les problèmes de votre vie. Par la force brute et l'intimidation. Et regardez où ça vous a mené. Dans un enfer que vous avez créé. Baissez votre arme. Utilisez votre tête au lieu de vos poings, une fois. Nous avons le même objectif, Sébastien. Nous pouvons nous entraider. Rejoignez-moi. Vous, vous retrouverez votre fille. Et moi, eh bien, j'aurai le pouvoir du noyau. Je sais déjà qui elle y est. Oui. Et Mira ne la lâchera pas si facilement. Quoi? Où sont-elles? J'aimerais pouvoir vous le dire, mais vous n'êtes pas prêt. Vous devez intégrer mes fidèles ouailles avant que je puisse vous en dévoiler davantage. Bordel, dites-moi où elle est! Acceptez mon offre.
Je peux vous mener hors de vos propres ténèbres. Je peux vous mener à Lily. Désolé, je ne suis pas l'un de vos fidèles. Qu'il en soit ainsi. Comme notre trailer, il fait sa canne. Oh non. Vous souffrez tellement. Vous êtes constamment hanté par les événements du passé. Je vous ai montré la voie. Vous devez comprendre que je suis là pour vous aider. Alors deux secondes sur ce magnifique plan. On aurait dit que le visage avait bougé, on dirait qu'il y a des cheveux maintenant. Quand il a dit nous avons les mêmes objectifs, dans le trailer ils ont rajouté vous voulez la fille. Alors en fait ils nous ont trompés, on dirait que lui aussi voulait la fille, mais non c'est Mira en fait. Et on continue. Revenez me voir de votre plein gré. Alors nous pourrons adopter nos rôles naturels. Pas en tant qu'adversaire, mais en tant qu'allié. Nous nous reverrons, Sébastien. Ne me dites pas que... Ah, j'ai cru que c'était... J'ai cru que c'était un boss. J'ai eu peur. Attends. Eh ben, enfin réveillé. C'est pas trop tôt. J'aurais bien besoin d'un petit coup de main. Tu sais te servir d'un flingue, pas vrai? Je peux avoir une mitrailleuse, c'est mieux. Enfin, une mitraillette plutôt. Prends ce côté. Canardelez jusqu'à ce qu'il crève ou qu'on ait plus de munitions. Attends, mais j'ai utilisé mes munitions aussi. Non, mais tu te démerdes. Hein. Ça peut trop discret, cache-cache. On parlera plus tard. Contente-toi de rester en vie. T'as cru ou ça, espèce de sale fils de pute. Oula, tu te calmes toi hein. Et t'es qui toi? Je crois que t'étais la chinoise mais non. Mais pourquoi ça marche pas ça? Oh hey, viens me filer un coup de main, tu veux? Piétiner c'est quoi ça? Ah d'accord Tito. Ouais je t'ai filé un coup de main, hop je te prends et puis on s'en va à deux. Oh mais attends mais moi je fouille la maison là. Eh, hey, je t'ai tiré dans la tête, Ripley. Il bouge au dernier moment, en fait. C'est marrant, on dirait qu'il est pas là pour moi, en fait. Bien sûr que si. Oh, tête. Il se baisse. Il est mort. C'est pas ta première fois, on dirait. Je compte plus à force. Je vais pas te soigner. Vite, fais le plein de munitions. Il y en a d'autres qui arrivent. D'accord. Il y a plein de trucs là. Quand tout ça sera fini. Et je veux récupérer la seringue en fait. Tellement de seringues et tout. Ah voilà enfin. Alors nous non plus. Oh, moi je me fais déglinguer. Mais. Oh, le réflexe. Économise les munitions. La compétence que j'avais eue. Wow, doucement. Attends. Non. D'accord, donc en fait, ça se passe comme ça. De sa confrontation avec Théodore, mais je l'ai pas confronté. Hein. Ah, c'est dommage. Attends, c'est pas mon moment de la cinématique. J'ai eu peur. Je croyais qu'il allait me faire voir Lily et tout, j'allais dire, c'est pas le moment. Qu'est-ce qui se passe ici? On parlera plus tard, contente-toi de rester en vie. Il y a plein de paquets de munitions, et faut pas être forcément content, parce qu'après ils vont disparaître. Hey, viens me filer un coup de main. C'est cartouches de fusil à pompe, donc vu que c'est le fusil à pompe, j'arrive. Oula! Au revoir. Putain, elle avait presque plus de vie. Elle a perdu la moitié, quoi. Hé hey. Pas mauvaise, toi non plus. C'est bien, là, avec des alliés. Espèce de sale fils de pute. C'est pas ta première fois, on dirait. Je compte plus la force. Je peux pas te soigner. Oula, non. Vite, fais le plein de munitions. Il y en a d'autres qui arrivent. Ok, d'accord. J'arrive, vite. Mais j'aurai besoin de réponses quand tout ça sera fini. Ah, je suis complet en fait.
J'ai des seringues si tu veux, parce que là tu m'inquiètes ton état de vie. Allez, couvre mes arrières. Ils sont où? Oh, dégage. Piétiné. Voilà. Paf, tu te relèves pas. Surveille nos arrières, il y en a d'autres qui arrivent. Oh, tu te calmes? Où es-tu? Non! Oh! Je sais pas si ça lui a affecté, j'espère pas. En fait, faut pas trop s'inquiéter pour les munitions, en fait, il y en a partout. Oh! Faut juste s'inquiéter de savoir bien viser. Vise la tête, économise les munitions. T'es marrante, toi. Bordel, ils sont partout. Toi, t'as une calache. Mais laisse pas t'encercler. Ah, y'a une bouteille pour la contre-attaque au cas où. C'est moi devant. Wow. Pause, on se soigne. Boum. Oh, c'est joli ce que j'ai fait. Voilà, piétine. Je dois pas obtenir un trophée à un moment. C'était quoi ce bruit? Oh merde! Fais gaffe! De quoi? Et, oh non! Ah, qu'est-ce que c'est que ces saloperies? On s'en fout, vite-les! Oh non! Oh elle! Il lâche rien, ce con! Non, nous non plus! Je crois que c'est le verre ou. Ah non! Et bien. Plus de balles de fusil à pompe. Faut qu'on bouge. Par là. Elle a récupéré toute sa vie, cool. Mais bah attends, d'abord je cherche. Voilà, par exemple. C'est bon. Encore des balles, elles sont gentilles. Par contre, ouais, j'ai pas assez de balles. C'est dommage ça. Non, il y a des balles. Je m'en serais pas sortie toute seule. Je m'appelle Esmeralda Torres. Moi, c'est... Sébastien, je sais. Ah bon? On dirait qu'on les a eus. On ferait mieux de bouger avant qu'il en arrive d'autres. Je peux pas prendre la calèche. Comment j'ai atterri ici? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le moment de poser des questions. Ma planque est pas très loin. T'en as obtenu notre allié. On discutera en route. Viens. Prends ce qu'il faut. Attends, il y a encore des balles. Je t'attends dehors. Prends ce qu'il faut, bah oui, t'inquiète pas. Bah je peux pas. Ça, c'est bon. Je recharge vite fait. Voilà, c'est bon. Alors la carte. C'est vraiment grand. Hein. En tout. Oh, regardez tout ça. Attends, tu vas me dire que c'est ça, sa planque. Oui. Il pourrait y en non, avoir je pense d'autres. Pas. Dis-moi au moins comment tu connais mon nom. Kidman m'a demandé de garder un œil sur toi. Kidman. Elle a dit qu'elle essaierait de te faire. Les niveaux, ils courent pas vite. Et tu es là, donc. Attends, je suis perdu là. Quel plan? Sortir Lily de là et éliminer Mobius une bonne fois pour toutes. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je t'attends quand tu cours. Laisse-moi deviner. C'est le chemin qui mène à ta planque. Il doit y avoir un autre chemin. Suis-moi. Ouais, je te suis. Je te suis. Je suis censé être derrière toi, non? Oh, ouais, vas-y, allez, marche doucement aussi. Attends, une seconde. Ton plan. Kidman m'a jamais parlé de ça. Tu m'étonnes. J'imagine qu'elle a pas pu te donner les détails devant tout le monde. Ok, laisse-moi faire. L'un de nous doit lever le tronc pendant que l'autre passe dessous.
Ah, c'est la coopération. Compris. Jamais. Allez, passe. Ça va aller? Je peux t'aider. Bouge ton cul avant que je te lâche sur la tronche. T'es okay. Des frappes de beau gosse, mais ouais. Merci. Tu veux faire une petite pause, papy? Ça va. Je suis pas si vieux. Tu me tirais dessus? Tu me traites de... Alors pendant tout ce temps, Kidman avait un plan pour faire tomber Mobius. En fait, ah, les grottes. C'était le plan de ta femme. Mais attends. Mira? Alors c'est pour ça qu'elle est là. Là, je me suis dit, si elle part plus loin, on entendra moins sa voix. Non, ça va. C'est n'importe quoi. Attends-moi. Va falloir se baisser. Va pas te faire un tour de rein. Lâche-moi un peu avec ça, Torres. Ok, je me fais un tour de rein, boum. Ce n'est pas ce que vous croyez. Tu peux être fier de ta femme, tu sais. Elle est persuasive. C'est elle qui m'a recruté pour ce plan. Je ah, mais non, pas. Mais... Hey. Moi, je me fais pas un tour de rein, donc... Ouais. Elle a découvert qu'ils détenaient Lily. Elle savait que le seul moyen de les éliminer était depuis l'intérieur. Alors elle les a rejoints et a patienté jusqu'au bon moment. C'est donc là qu'elle était, pendant toutes ces années. Bon sang. C'est dur à digérer. Je veux bien te croire, mais restons concentrés. J'imagine qu'il faut... Faut qu'on passe de l'autre côté. Tu peux m'aider ? Ouais, bien sûr. Prête. Ça, c'est dans le trailer, ça. C'est bon, je te tiens. Ouais, ça va. Hey, tu vas quand même pas me laisser là. Ah, mais une quoi? Échelle, quoi. Tu croyais que j'allais t'abandonner comme ça? Ça doit être dur quand même à faire ça, hein. C'est tu un jeu vidéo ou un film, maintenant. Mais en vérité, tu tires pas d'un seul bras. Hein. Parce que je te rappelle que Sébastien, je pense qu'il doit faire dans les 80-90 kilos. Ok. Qui d'autre faisait partie de votre petite mutinerie? On petit peu graphique là, non? Moi, Kidman, Mira et Théodore. Théodore? Le père Théodore? Attends-moi. Le père Théodore? Moi, je l'appelle Théodore Wallace. Tu le connais? Je l'ai rencontré. Mais il a pas envie de sauver Lily. Il la veut pour lui tout seul. Il a même essayé de me convaincre de traquer Mira. C'est lui qui a tout fait foirer. Et... qu'est-ce qui était censé se passer? Une fois Lily récupérée par Mira et Théodore, lui et moi devions la faire sortir pendant que Mira s'occupait de Mobius. Et Kidman devait s'assurer qu'on puisse sortir du STEM depuis l'extérieur. Merde, c'était censé être facile. Rien n'est jamais facile. Oh non. Quoi? Bien coloré. Qu'est-ce qu'il y a? Ah putain! Merde! On a des ennuis, regarde. Vite, suis-moi. Je te suis. Allez. C'est une très belle blague, j'espère. On dirait Théodore. Non. Désolé pour ta planque. J'aurais pas mis ma planque en évidence comme ça. Elle est cachée. Mais faut qu'on passe ces trucs pour l'atteindre. Tu vois la bannière rouge derrière cet immeuble? Ouais. La trappe qui mène à ma planque est dessous. Ok. Je passe devant. Suis-moi et reste à couvert. Ok. Mais écoute-moi. J'ai déjà vu ces choses-là avant. T'approches pas d'elles quand elles sont en feu. D'accord. Salut. Bon, moi je vais m'arrêter là, mais je vous mettrai la suite dans quelques instants. A tout de suite. De retour. Je sais plus trop ce qu'on doit faire. Je crois éliminer les zombies. Pas sûr. Les partenaires n'attrapent pas les ennemis jusqu'à ces derniers repérer Sébastien. Ok. Désolé pour ta planque. J'aurais pas mis ma planque en évidence comme ça. Elle est cachée. Mais faut qu'on passe ces trucs pour l'atteindre. Tu vois la bannière rouge derrière cet immeuble? Ouais.
La trappe qui mène à ma planque est dessous. Ok. Je passe devant. Suis-moi et reste à couvert. Ok, mais écoute-moi. J'ai déjà vu ces choses-là avant. T'approche pas d'elles quand elles sont en feu. Ok, atteignez l'entrée de la planque du Torres. Je pense que je vais passer par là. Donc je dois pas m'approcher. Et si je m'approche, ça fait quoi? Ah, ils sont pas en feu là. C'est pas suffisant? Ah si, j'allais dire. J'allais dire si c'est pas suffisant, je suis mal là. 500 seulement, sérieusement. Pas beaucoup de munitions de fusil à pompe en plus. Ah merde, ça c'est pas bon par contre. Ils sont deux là. Non. Ouais, mais en même temps, il vient juste de l'activer. Il bouge. Ils sont où? Attends. Soin. Mais attends, mais à quel moment? Laisse-moi. Attends, mais ils prennent pas leurs balles, donc mais tire pas. Mais aide-moi toi aussi. Mais ouais, bah ouais, forcément. Ok, j'ai compris, fusil à pompe, bim, au revoir. Il n'y a pas tiré, super. Bim, au revoir. Une munition, c'est ça? Non. Elles m'aident pas l'autre, hein. Elles m'aident pas. Hein. On dirait que je suis en mode cauchemar là. En même temps, l'autre il a activé ses flammes à la dernière seconde. Alors que j'avais appuyé sur X. Hein. Mais en fait, quand il a lancé le couteau, enfin quand il a lancé l'action, en fait il a activé ses flammes. Du coup, ça m'a rejeté. Désolé pour ta planque. J'aurais pas mis ma planque en évidence comme ça. Allez, Elle est cachée. Je peux pas bouger là. Ces trucs pour l'atteindre. Tu vois la bannière rouge derrière cet immeuble? Tu me l'as déjà dit, c'est chiant. La trappe qui mène à ma planque est dessous. Ouais, okay. C'est bien, ouais. Je passe devant. Suis-moi et reste à couvert. Ok, mais écoute-moi. J'ai déjà vu ces choses-là avant. T'approches pas d'elles quand elles sont en feu. Ce que je peux faire, c'est aussi... Terroir poneur. Allez. Bien joué. J'ai remarqué quand tu tues un ennemi avec le fusil à pompe, il te donne de la poudre à canon en fait. Bon, je vais essayer de refaire ça. Peut-être passer par l'autre côté. Là, il y a du matos. Alors, prends. Pourquoi il prend pas? Oh là là. Eh, j'ai bientôt 400. Hein. C'est bon, je pourrais améliorer le pistolet. Non, tu m'as pas vu. Putain, mais il l'a vu, ce con. Oh oh. Non. Eh, je t'ai... C'est sec, pas pour longtemps. Voilà. Et ils sont beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire? Fusil de précision, j'ai une balle, mais ça va rien faire. Ça, allez. Au revoir. Et ils m'ont perdu de vue. Poudre à canon 7. Il m'a perdu l'autre. Il est bête. Oh, c'est une grave erreur.
Ce que je fais aussi, je pense, ouais. Allez, allez, Sébastien, allez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, 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 c'est trop tard. Je sais pas si j'aurai le temps. Allez, allez, allez. Voilà, bien joué. Voilà. C'est pas si dur que ça en fait. Faut juste être discret et prendre son temps. Par contre, l'autre avec le lance-flamme, il fait peur là. Il est où? J'ai récupéré la seringue? Je crois pas. Si. Qu'y a-t-il ici? Rien du tout. Il n'y a pas une statuette dans les parages, je ne crois pas, mais bon. Dans le feu peut-être. Et ça t'a planqué, bah alors là, elle est détruite, hein. Je suis désolé de te dire ça. Waouh! J'attends que ça régénère. Allez, la vie là, allez. Petite seringue. Voilà. Putain, il y en a encore. J'en vois deux, moi. Non, 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 non. Allez, allez, allez. Bien joué. Des golems ça ou quoi? Ton pied a un peu bugué mais c'est pas grave. Lui, il va me voir lui. Ah, j'aurais pu mettre à couvert l'attaquer, trop tard. Je vais attaquer lui. Putain, il est en feu, non? J'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il y en avait un deuxième. Cours. Mais qu'est-ce qu'il fait Sébastien? Torres, qu'est-ce que tu fais? On va mourir. Mais elle est conne. Lui, je peux l'avoir, lui. Ok. Putain, bah, elle va crever. Ah bah, tant pis, hein, mais en même temps, elle fait n'importe quoi, Torres. Mais regardez, je peux rien faire, je peux rien faire. Absolument rien. Ah oui, mais en même temps, regarde. Jouer. Attends, il y en a encore un. Et non! Oh, bien joué! Voilà. Bon, j'ai plus beaucoup de balles, ça m'inquiète. Tu peux pas te soigner, toi, parce que t'es sur le bord de mourir, en fait. Et tu peux pas te soigner non plus. Par contre, là, les balles m'inquiètent. Sérieusement. Même si j'obtiens beaucoup de poudre à canon, c'est pas le top. Si d'après ce que j'ai vu, attends, y a pas une statuette là? Non, y a de la poudre. Le truc avec le lance-flamme, si je dois l'affronter, je crains que je n'ai pas assez de balles. Y a plus rien ici. Je crois pas. Bon, elle se repose pas. Bon, tant pis. On y va. C'est par ici? Je dirais pas. Qu'est-ce qui se passe là? Je dois aller ici. Mais je dois aller où? Ici. Oh, mais en fait, c'était là-bas. Bon, c'est pas grave, on a fait la zone. Attends, y a pas un truc à... Je suis sûr, y a quelque chose. Ah, voilà. Oh, une pochette. Pochette améliorée, pochette à munitions. Oh, je m'en fous de fusil de précision. Après, si on donne des balles, je suis content. Il manque plus que 10 pièces détachées, quoi. Il n'y aurait pas quelqu'un qui peut me donner 10 pièces détachées pour que j'ai 400 pièces détachées et faire une amélioration. Ah, parfait. De... Comment ça? Ah, bah attends, elle s'est soignée, elle. Je sais pas comment elle a fait.
Une amélioration de pistolet. Au sacré en dessous. Bon, l'essentiel, c'est le résultat. J'avoue que je m'attendais à un peu plus de discrétion. Finalement, les amis, je vais faire que en vidéo, même si ça marche pas. Je ferai que en vidéo parce que j'ai. Je sais très bien qu'en live ça marche mieux, The Evil Within 2, mais bon, je préfère avoir le grand écran. On n'est jamais mieux que chez soi, mais une planque, c'est pas mal non plus. Bon, prends pas peur à cause de la quantité d'explosifs. Ils sont inoffensifs, du moins jusqu'à ce que je les arme. Je peux pas avoir un fusil d'assaut? C'est le mec qui gratte. Alors qu'est-ce qu'on fait pour Théodore? Bah tu me donnes un fusil d'assaut. Rien. Il est complètement fou. Son repère semble tout droit sorti de l'Inquisition. Je devrais être soulagé que Lily soit avec Mira plutôt qu'avec lui, mais... Quoi? Lily est avec Mira? Ouais, mais je suis pas sûr qu'il faille s'en réjouir. Elle est... différente. Cet endroit semble l'avoir affectée. Elle se cache pour protéger Lily de Théodore. Et il reculera devant rien pour les trouver. Si j'arrive à l'arrêter... Peut-être que Mira retrouvera ses esprits et qu'on pourra sortir Lily de là. Alors, tu veux tuer Théodore? Ouais. Mais il va d'abord falloir le trouver. Comment tu comptes t'y prendre? O'Neill devrait pouvoir m'aider. Je vais l'appeler. Mais il faut d'abord que je prévienne Kidman. D'accord. Mais fais gaffe à ce que tu dis par communicateur. Elle est sûrement dans la salle de contrôle avec ce serpent qui lui tourne autour. Je peux retourner voir O'Neill. Sébastien, où étiez-vous? Vous avez trouvé Stefano? Mieux que ça. Je l'ai éliminé. Bien. Et Lily? Elle m'a échappé à nouveau. Je suis désolé. Vous avez une piste? La bonne nouvelle, c'est que j'ai rencontré l'agent Torres. Ses informations m'ont été précieuses. Oh, plein de trucs derrière là-bas, regardez. Quelle est la mauvaise? La mauvaise, c'est que quelqu'un de plus puissant que Stefano veut prendre le contrôle de cet endroit. Et pour ça, il a besoin de Lily. Torres m'a dit que vous le connaissiez. C'est un sacré beau parleur. Bon sang, je crois que je vois de qui vous parlez. Je vous envoie quelques trucs utiles dans votre salle. Tenez-moi au courant. Vous savez que je suis là pour vous. Je sais. J'ai confiance en vous. Bon. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Comment elle fait pour l'envoyer dans la salle? O'Neill, c'est Sébastien. Répondez. Il est pas mort quand même. C'est pas normal. Je vais essayer de le trouver. Ouais, toi, il peut être mort. Tu restes ici et tu prépares tes armes et tes explosifs. J'aurai besoin de ton aide quand j'aurai localisé Théodore. Je peux accéder à la moelle d'ici? Ouais, il y a un ordinateur de Mobius dans cette pièce. Il t'amènera à la sortie 72. Super. Je t'appelle quand je suis prêt. Bonne chance, Torres. Ok. Bonne chance à toi aussi. Ça sent le petit boss là, non? Parce que regardez, 7 balles de pistolet. Chapitre 11, reconnexion. 15 balles, 15 poudres à canon. On est refait. Hein. 12 balles de fusil à pompe. Un fusible. 60 pièces détachées. Waouh. Et qu'est-ce que c'est que ça? Allez, un beau truc. Ok, c'est nul. Ah attends, carreau immobilisant. Non, c'est pas nul, au contraire. Ce carreau d'arbalète peut geler les ennemis qu'il touche. La plupart des ennemis éclateront en morceaux. D'autres seront simplement gelés temporairement. Et notre corps, ils seront totalement insensibles. Vous pouvez fabriquer des carreaux immobilisants en combinant des... C'est quoi, des condensateurs et de la poudre à canon? Oh, de la poudre à canon, non merci. Alors c'est bien, mais... Ça dépend. Je vais boire un café, mais avant ça, il n'y aurait pas d'autres trucs à prendre. Si, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, journal de Torres. Ah donc, tu lui piques son journal, quoi. Tranquille. L'écriture de ce journal est propre et semble appartenir à une femme. Voici ce qui a été écrit en dernier. Je ne sais pas depuis combien de temps j'attends le retour de Mira et Théodore. Le temps est un concept particulier dans le STEM. Encore plus, depuis que Lily s'est enfuie, tout ce que je sais, c'est qu'il devrait être déjà rentré. Si je meurs ici, je veux juste que la personne qui trouvera ce journal sache que je suis venu de mon plein gré. J'ai fait quelque chose il y a longtemps, quelque chose que je regrette, et pour ça que je suis là maintenant. À essayer de faire sortir Lily d'ici, c'est ma dernière chance de rédemption et peut-être ma chance de recommencer à zéro
Dans tous les cas, je m'en tiens à ce plan. J'enverrai le bout quoi qu'il arrive. Mais il est bien évident que quelque chose a mal tourné. Si c'est le cas, je ferais bien de chercher de l'aide, comme me l'a dit Kidman. Mais cet endroit s'effondre tout autour de moi. J'espère que je trouverai si jamais on m'envoie à l'intérieur. Ok. Bon, on va continuer un petit peu. Il y a quoi là? Rien. Bon, je vais boire un café. J'ai jamais goûté celui-là. En plus, il y a un trophée à boire tous les cafés du jeu. Je sais pas si c'est le dernier celui-là. Je pense pas, il devrait en rester un dans une zone, je ne sais pas. Voilà, c'est bon. Ah si, trophée obtenu, le café c'est la vie. Le café, j'en ai jamais goûté, hein. Je sais pas si c'est bon. En plus, il met pas de sucre. Attends, je peux lui parler. J'ai quelques questions à te poser avant de partir. Tu as dit que Mira était censée rester pour s'occuper de Mobius. Mais comment? En utilisant le stem contre eux. Tous les membres de Mobius ont une puce cérébrale implantée qui leur permet d'entrer dans le stem sans être affectés. La puce leur offre un accès et des avantages auxquels les citoyens normaux n'ont pas droit. Et vous les laissez vous implanter ce truc? Ouais, on n'avait pas vraiment le choix. Mira était censée envoyer un signal par le stem pour neutraliser tous les membres de Mobius via leur puce cérébrale. Un peu comme une lobotomie de masse à distance. Oui, c'est une façon de régler le problème. Si on le fait pas, Mobius remettra Lily dans le stem et nous tuera tous pour rébellion. C'est la seule façon. J'arrive pas à croire que Kidman soit derrière tout ça. C'est elle qui m'a envoyé à Beacon. Elle a rien fait quand ils ont mis Lily dans le stem. Ça lui ressemble pas de les trahir. T'es de l'extérieur, Sébastien. Tu sais pas de quoi Kidman est capable. Elle a dû garder le secret pendant tout ce temps, afin de pouvoir frapper au bon moment. Mais pourquoi maintenant? Et pas quand ils construisaient le nouveau stem? On a besoin du stem pour envoyer le signal et éliminer Mobius. Quand Lily a été choisie pour le noyau, Mira et Kidman ont décidé de mettre le plan en marche. Vu la tournure que prennent les choses, c'est peut-être notre seule chance de réussite. Comment Theodore Wallace s'est-il retrouvé embarqué là-dedans? C'est Théodore qui a eu l'idée d'envoyer un signal via le stem. Mais maintenant que j'y pense, son but était sûrement de prendre le contrôle de Mobius. Bordel. J'avais qu'on pouvait pas lui faire confiance. Ce type est plus sournois qu'un serpent. C'est ça son truc. Il peut faire croire n'importe quoi. Il nous a fait croire qu'il était là pour nous aider. Ouais. J'ai connu des gens comme ça. Ils prétendent être ton meilleur ami pour mieux te poignarder dans le dos. Je nageais en plein bain de sang dans le purgatoire de Théodore, et tout à coup je me suis retrouvé dans cette maison avec toi. Je comprends toujours pas comment tu m'as trouvé. Moi non plus. J'explorais la zone autour de ma planque, et j'ai entendu une voix. Je me demandais, puis voilà, j'ai pas de réponse. Cette maison abandonnée. Je suis allé voir. Il y avait pas de fille, mais t'étais là. C'est comme si on m'avait guidé jusqu'à toi. Une voix de fille. C'était forcément Lily. Mais comment? Impossible de savoir comment ni pourquoi les choses arrivent ici. Le stem était déjà imprévisible avant qu'elle s'échappe. Alors maintenant, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ok. Merci pour tout ça. Bon les amis, on va améliorer nos armes, tout ça, et puis ça sera déjà la fin de cette vidéo sur The Evil Within 2. Pas tout de suite, d'abord sauvegardons. Il n'y aurait pas miroir, je pense, de l'autre côté. Hop. Connexion. Il n'y a pas de miroir, j'ai tout fouillé ici. On dirait bien. Bon, continuons. Miroir. Là. Ouais. Oh, pièce détachée supérieure, cool. Rien d'autre, c'est dommage. Allons-y. En plus, ça m'a envoyé des trucs dans la salle, donc on va voir ça tout de suite. Le chat est revenu. Ah bah d'ailleurs, il n'y a plus les croix religieuses et tout là. Tout d'abord, allons améliorer nos armes avant que ça part en couille. Enfin, on peut le dire. Fabrication. Balle de pistolet. J'ai 71 trucs. Bon, je vais m'en faire que 5. Cartouche de fusil à pompe. Ça fait longtemps que j'en ai pas créé des trucs comme ça. Je vais m'en prendre 3. Balle de fusil de précision, ça me sert pas forcément. Carreau harponneur par contre. Voilà, carreau fumigène, pourquoi pas, mais j'en ai déjà plein. Carreau électrique par contre, je vais m'en faire un. Ou deux.
Voilà, carreau explosif. M'en faire deux. Et je pense qu'on est bon. C'est dommage que j'ai pas de feuilles. Amélioration d'armes. Pistolet. Après, t'as les dégâts à 800. Bon, 400. Permet d'infliger plus de dégâts. La pièce détachée supérieure. Ça, c'est quoi? 360 et coup critique à 60%. Bon, voilà. Je vais laisser ça comme ça. Sauvegarde. Maintenant, au pistolet, il doit être vraiment badass, quoi. Le gel, combien j'en ai? 17 750. Ouais, je vais faire ça maintenant. Quoique, attendez. Je vais d'abord regarder dans la salle. Salut, toi. J'ai pas de diapositive, il me semble. Non, et celle-là... Attendez. Celle-là, je sais où est-ce que je l'ai manqué, mais je ne peux malheureusement pas aller la chercher. Parce qu'on ne peut plus retourner à la carte. Je l'avais oublié, mais bon, tant pis. C'était dans Union, mais dans le début, en fait. Oh, attends, il y avait un truc là-bas. Une pellicule. Diapositive relique d'une époque où l'on prenait des... Ouais, ça, on a déjà lu, hein. 5 sur 11. On va dire 5 sur 10, parce que j'en ai oublié une. On va regarder ça. Ah, mon truc, là. Par contre, ça vient de Fallout 4. Je suis pas sûr. J'ai déjà lu ça. Oh ouais, je vais pas lire tout ça. Hein. Bon allez. Profite du Mobius. Recandidat du système numéro 10045 dont Stefano Valentino Union a besoin de personnalité artistique afin de simuler un scénario de monde réel. Bien que le candidat numéro 10045 ait montré des tendances égocentriques, elles peuvent être très liées à des penchant artistique plutôt qu'à des problèmes psychologiques. D'après nos informations, aucun membre de la famille ne s'inquiétera de sa disparition. Le bureau de recrutement recommande l'insertion du candidat numéro 10045 dans le système. C'est marqué en tout petit, je suis désolé. Ça. Article de magazine. Q. Pourquoi cette photo est-il si importante pour vous? R. C'était ma dernière photo en tant que photographe de guerre. Elle m'a presque coûté la vie, mais fut également la source de ma renaissance artistique. Elle m'a ouvert les yeux sur le fait que la beauté est partout, même dans l'horreur la plus indicible. Je me reprendrai sans doute jamais une photo ayant autant de sens. Q. Vous avez dit que elle vous a coûté la vie. Pourriez-vous nous en dire plus? Eh bien, vous avez remarqué mon œil, évidemment. Mais j'ai déjà lu ça. J'ai déjà lu. Mais c'était pour être sûr. Ah, ça, j'ai pas lu, par contre. Cet enfoiré a réussi à s'incruster dans le plan par ses belles paroles, pour l'utiliser à ses fins personnelles. Son écriture trahit son état psychiatrique. Merde. On dirait l'écriture du tueur du Zodiac. Hey, Watch Dogs 2, tueur du Zodiac. Note manuscrite, Kidman. Je me suis longuement entretenu avec Mira. Votre cause n'est sympathique, mais je pense que nous pouvons agir de manière plus définitive pour régler votre problème. Retrouvez-nous à 22... Ouais, retrouvez-nous à 22h devant le Crimson City Renaissance Theater et assurez-vous de ne pas être suivi, Théodore. Oula. Eh, mais en costard, le mec. Je savais pas qu'un prêtre, ça pouvait être en costard. Il reste un espoir. On dirait qu'il a pas embobiné tout le monde, finalement. Il faut tout de même rester prudent. Il a convaincu de nombreuses personnes d'entrer dans le STEM. Alors, article de presse du Crimson Post. Ange beau parleur ou protecteur démoniaque, par Daniel Bloch, 10 octobre 2014, Crimson City. Ah, c'était il y a 3 ans, le jeu, quoi. Lorsque vous rencontrez pour la première fois le conférencier motivateur, auteur et guide spirituel Théodore Wallace, sa présence et son aura charismatique sont apparentes, sa stature imposante contraste avec son visage chaleureux, et ce visage que l'on retrouve sur une série d'ouvrages à succès sur le bien-être personnel, qui a lancé une série de havres de bien-être spirituel au centre mu. Mais que peut bien cacher cette attitude amicale et bienveillante? Certains considèrent Wallace comme un gourou, d'autres des extrémistes religieux, et plus effrayant encore, des membres de la congrégation du centre mu pensent qu'il n'est rien de plus qu'un leader des temps modernes. Oula, un gourou, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais bon. Il s'attaque aux âmes perdues et désespérées en prétendant détenir la clé du bonheur. Je commence à comprendre son mode opératoire.
Brochure de recrutement du Muse Center. L'univers vous paraît-il étrange et cruel? Avez-vous l'impression que le monde est une conspiration qui peut vous distraire avec les babioles aussi merveilleuses qu'inaccessibles dans le seul but de vous éloigner de la vérité? Êtes-vous convaincu d'être le seul à vivre ça? Alors le centre Mu est pour vous. Venez, libérez-vous des entraves de la société moderne. Rencontrez d'autres personnes dans le même état d'esprit. Créez une réalité meilleure, la réalité que vous voulez, pas celle qu'ils veulent pour vous. Centre Mu, nous vous attendons. Ok. Et ça, je peux pas lire ça, si. Guide spirituel et orateur brillant. Pas étonnant qu'il ait pu convaincre tout le monde qu'il était dans leur camp. Il avait l'air d'un mec bien de prime abord. Dossier de Théodore Wallace. Non, Théodore Wallace. Date de naissance 7-3-1968. Je vous laisse deviner la date de naissance, j'ai pas le temps. Lieu de naissance Saint-Louis, Missouri. Lieu de résidence Crimson City. Métier conférencier motivateur, chef spirituel. Ok. C'était très intéressant. On va regarder la diapositive. Mais vite fait, on va la regarder parce que ça va être la fin de l'épisode. Faut pas que ça dépasse une heure, voyons. Oh! Hey, Kidman. C'est avant ça. J'ai repensé à notre première affaire ensemble. Vous voulez dire à Crimson City? Le braquage. Elle était beaucoup plus belle avant, Kidman. Vous avez géré cette affaire. C'est moi, lui, tout seul. Ah non. C'était impressionnant. C'était entièrement grâce à vous. Vous m'avez prise sous votre aile et m'avez montré les ficelles. J'étais votre égale à vos yeux. J'aurais aimé avoir un mentor comme vous dans ma jeunesse. Je voulais vous aider à devenir l'une des meilleures. Mais pendant tout ce temps, vous travailliez pour eux. Quelqu'un tenait à ce que je garde. J'ai pas été là, Tatiana. Au fait, j'irai dans le prochain épisode. Parce que je sais que le chat, à chaque diapo, il allait me donner. Vous auriez fait une super flic. Gel, et je me suis demandé si elle avait pas me donné de diapo, et finalement, si, voilà, je m'en doutais. Le rapport personnel que vous avez lu à mon sujet était falsifié. J'ai passé la majorité de mon adolescence en maison d'arrêt. Mobius est intervenu et j'ai eu deux choix, les rejoindre ou pourrir en prison. Ce ne fut pas une décision difficile au vu de ma situation. Je ne sais rien de vous en fait. Je suis avec Mobius depuis si longtemps que je suis même pas sûre de me connaître moi-même. Quelque chose me dit que la rebelle en vous. J'ai pas compris c'était qui Mobius en fait. Bon voilà, alors petit chat, t'as quelque chose pour moi? Ah, c'est gentil ça. Merci, ouais. Chat. Ouais, voilà. Sinon les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, à liker la vidéo et à la partager et puis à laisser un petit commentaire. Et moi je vous dis salut tout le monde. Je vais y grimper. Allez, salut tout le monde.